Good morgen, allez, Daniel, ce soir aujourd'hui, le Nishmat Avraham Mordechai Ben Yitzhak, ma famille, ainsi que l'Irfouat Léa Bat Elisheva, Betor Shachol Israël, si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étions en Sechet Ragiga, Perik Bet Mishnah Bet, Yosef Ben Yoezer Omer, Shelo Lismoch, Yosef Ben Yochanan Omer, Lismoch, Yoshua Ben Brachia Omer, Shelo Lismoch, Nitaya Arbeli Omer, Lismoch, Yuda Ben Tavai Omer, Shelo Lismoch, Shimon Ben Shatach Omer, Lismoch. Shmaya Omer Lismoch, attention, ça s'est inversé, Avtalion Omer Shelo Lismoch. Yelel Omnachem Lo Nechleku, Badavar Lo Nechleku, Yatsa Menachem Nichnas Shamay, Shamay Omer Shelo Lismoch, Yelel Omer Lismoch. Arishonim Ayu Nesiim, Ushnim Lehem Avot Bet Din. Bon, deux sujets dans notre Mishnah, un sujet de Halacha et un sujet de comprendre la première, c'était la première Machloket qu'il y a eu dans l'homme Israël. Jusqu'à cette époque-là, il n'y avait aucune Machloket, tout était tranché. Et depuis cette génération-là, les deux premiers, c'était Yosef ben Yoezer et Yosef ben Yochanan. Ça a commencé la machloquette de Halacha, sans que ce soit tranché, avec des tendances comme ça et des tendances comme ça. Le sujet d'abord de notre Mishnah, c'est, on a dit qu'il faut apporter des korbanot à Yom Tov. Vous savez qu'à Yom Tov, on n'a pas le droit de prendre un animal dans les bras, on n'a pas le droit d'utiliser un animal. Ouais. Un grand problème pour ceux qui ont des chiens qui doivent les faire sortir, comment les attraper. Ou ceux qui ont des chiens à la maison aussi. C'est mouxé en général, tous les animaux. Et il y a une takana trachami, on n'a pas le droit de se servir d'un animal, de peur qu'on va se mettre à sortir dessus. Et notamment, lorsqu'on doit faire un korban de shlamim, ou même de hola, la halakha requiert de faire la smicha, d'être besamach shtei adav al rosh haola. Vesamchou ben Aaron Akohanim et Damo. Toujours on posait alors le mot que Vesamach, et qu'il faut être sommaire les mains sur l'animal. Avant de faire pour beaucoup de korbanot, on doit faire la smicha, lui appuyer les mains sur sa tête. Maintenant, quand on lui met les mains sur la tête et appuyer fort, c'est pour exprimer que l'animal va partir en kapara à ma place. Maintenant, lorsqu'on fait la smicha, il faut faire la smicha de manière en appuyant fortement. Du coup, quand on l'a fait, on transgresse, on utilise un animal. Si on va faire un korban pendant Yom Tov, alors on va se servir d'un animal pendant Yom Tov. Maintenant, l'animal, selon le cas, on va voir exactement qu'est-ce qu'on aura, quel type d'animal on a le droit de faire la shrita pendant Yom Tov, ce sera plus expliqué dans la prochaine Mishnah. D'accord? Mais quoi qu'il arrive, selon Bet Shammai, comme Bet Hillel, on a le droit de faire des korbanot au moins de shlamim pendant Yom Tov. Là, on a un problème avec la smicha. Je te permets de faire la shrita. D'accord? Parce que c'est la mitzvah, tu dois le faire, tu ne peux pas le faire avant. Pour la smicha, en fait, il y a une machloquette. Est-ce que lorsque tu dois faire la smicha d'un korban, tu dois le faire immédiatement, avant, tout de suite, juste avant de lui faire la shrita, ou bien tu peux faire la smicha depuis 24 heures avant. Soit, si concrètement, tu n'as pas le choix de pour faire la shrita que tu as le droit de faire pendant même temps, tu dois faire la smicha tout de suite, en théorie, tu auras le droit de faire la smicha. Seulement, on a une machloquette essentielle. Est-ce que ça fait partie des choses que tu peux faire depuis avant Yom Tov? Parce que tu peux faire la smicha avant Yom Tov, tu laisses l'animal après, puis tu laisses l'animal pendant Yom Tov, et arrive la fête, et tu feras la shrita pendant Yom Tov. Donc du coup, le fait que tu n'as plus besoin de faire la smicha pendant Yom Tov, tu peux le faire depuis avant. C'est la machloquette qu'on se retrouve à 5 générations des Zugot. Ouais, si vous regardez dans Mishnah Pirkei Avot, ça a commencé avec Shimon HaTzadik, Shari Mishari Knesset Agdola, Antignos Yisocho, puis après ça commence avec Yosef Ben Yoezer et Yosef ben Yochanan. À chaque fois, on a deux. Toujours. Il y en a un qui est le Nasi Yador, et l'autre qui est le Avbedin. Si je peux dire, c'est un peu comme si on a le Rav Arashi et le Avbedin. Rav Arashi, c'est lui qui dirige tout, sur tous les plans. C'est le Nasi, c'est le président, c'est lui qui dirige. Avbedin, lui, c'est lui qui s'occupe de la partie plus juridique. C'est un peu comme les Avdil, et les Falfe Avdalot. Comme on a le pouvoir, comment dire, le gouvernement, je ne sais pas comment. Et l'autre, le pouvoir législatif, qui va s'occuper de mettre. C'est les deux domaines. D'accord? Il y a maintenant donc, le tribunal du grand instant, c'est le gouvernement, c'est un qui dirige le côté technique. Le Nassi, il a plus de poids pour les décisions. Là, on va se retrouver avec des marchlocotes, que systématiquement, il y en a un qui a le Nassi et l'autre qui a le Avbeddin. Un, il va dire qu'il faut faire la smicha pendant Yom Tov, et l'autre, il va dire non, tu ne fais pas pendant Yom Tov parce que tu pouvais faire depuis la veille. On a. Les Zugot, ça commence avec Yossi Ben Yezer et Yosef Ben Yochanan, première discussion. Après Yosha Ben Prachéa Nitaïa Arbeli, après Yoda Ben Tavaï et Shimon Ben Shatach. Et après, regardez comment ça traverse avec Shmaya Avtalion,
que cette fois-ci c'est Shmaya qui va être le Nassi qui va dire de faire la smicha, il y a Teren qui va dire de ne pas faire la smicha. Et c'est toute la Mishnah en fait, d'accord? On peut la traduire ensemble. Yosef ben Yosef Omer, Sholis Moch, Yosef ben Yosef, il a dit qu'il ne faut pas faire la smicha, tandis que Yosef ben Hanan, il a dit qu'il faut faire la smicha. Après, deuxième plan, deuxième génération, suite d'après. Yosha ben Prahi Omer, Sholis Moch, Nitaï Abali Omer, Lis Moch. Yoda ben, après, troisième génération, Yoda ben Tabay Omer, Sholis Moch, Shimon ben Shatach Omer, Lis Moch. Après, Shmaya ben Avtalion, là ça s'inverse. Parce qu'on a Shmaya qui va nous dire que Lis Moch, le premier qui est le Nassi, il va nous dire que Lis Moch. Et Avtalion, il va dire Shelo Lis Moch. Ok. Maintenant, Hillel Umnachem, c'est intéressant parce qu'à l'époque de Hillel Umnachem, le premier ami de Hillel, qui est en fait son parallèle, il s'appelait Menachem, on ne le connaît pas tellement dans le chasse. Je ne me souviens pas qu'on a déjà vu son nom rapporté dans une Mishnah. Mais la Mishnah nous dit, Menachem, il n'a pas eu l'occasion de discuter sur ça avec Hillel, qu'après le pauvre, il a dû être appelé pour la Avodat Ameler. Il a dû devenir fonctionnaire de l'État. Vous allez me dire, la chance, il est devenu Premier ministre. Le pauvre. On ne se rappelle plus de lui, on n'a plus de Mishnah de lui, le pauvre. Et concrètement, donc, Menachem, il est parti. Yatsa Menachem, il est sorti Menachem. Il est sorti pour travailler, pour devenir fonctionnaire du roi, ou en ministre. Il n'était plus Tamit Chacham, il n'était plus Avedin. Et du coup, à la place, Nirtas Shamaï, et on a eu Shamaï qui rentre à la place. Et là, bien évidemment, ils ont repris la marloquette antique entre les Zougotes, que Shamaï, il a dit Shelo Lismor, et il a dit Lismor. En général, à part le dernier cas, Arishonim Ayunesim, Ushniim Ayu Laem Avot Bedin. Toujours les premiers sont les présidents, le Avbedin, le Nassi, tandis que Ushniim Laem, le second, il est Avbedin, il est responsable du tribunal, c'est le grand juge du tribunal. D'accord? Ça marche pour tous, sauf pour Hillel et Shammai, parce que Hillel c'était lui le Nassi, tandis que Shammai c'était le Avbedin, c'est la seule exception à la règle, mais tous, sinon le premier ils étaient Nassi, le deuxième il était Avbedin. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, c'est là.